justement, en prospection, c'est assez. Donc, c'est la prospection mensuelle que nous réalisons entre Porquerolles et Porquerolles. C'est-à-dire qu'on photographie les ailerons, voire les queues de certains individus d'espèces différentes. Ces photos sont rentrées dans un catalogue qui est partagé par la communauté scientifique et ça nous permet individuellement de reconnaître les individus. Les études sur ce type d'animaux sont particulièrement complexes parce que la plupart des espèces passent quand même la plus grande partie de leur vie sous l'eau. Depuis 2006, on s'est lancé dans un programme qui consiste à évaluer le niveau de contamination des grands cétacés du sanctuaire Pélagos. Pourquoi les grands cétacés? Parce que pour faire ça, on est obligé de prélever des biopsies, c'est-à-dire des petits cylindres de peau et de gras, et qu'on ne peut pas le faire sur des petits animaux, donc on se contente de le faire sur trois espèces, le rorqual commun, le cachalot et le globicéphale. La deuxième ressort, voilà, elle ressort. Biopsie réussie. Yes. On travaille sur une famille de polluants qui sont les PCB, les organochlorés, donc tout ce qui est pesticides, etc. Ces familles-là sont des familles, en tous les cas pour les PCB et les organochlorés, qui ont disparu, qui sont interdits normalement depuis des dizaines d'années. C'est très précieux comme information puisqu'on a un suivi des animaux et ça nous permet de faire un peu le même travail qu'avec la photo-ID. On finit par reconnaître ces animaux qui sont quand même assez anonymes. On ne sait même pas si c'est des mâles ou des femelles quand on les voit. Ça permet de comprendre et d'intimiser et d'être en veille sur cette population qui est quand même une population précieuse.